à travers des chants, danses et rythmes que les populations de la Terre Promise ont accueillis ce dimanche 22 mai 2022 à Amos Langenfin, promoteur de la 10e et 11e finale du jeu concours Domino pour le compte des arrondissements de Canaan 1 et 2. Prenant la parole à tour de rôle, le président du comité d'organisation, le chef d'arrondissement, les camarades de parti, les cadres natifs, têtes couronnées et jeunes pionniers du républicain Amos Langenfin ont tous soutenu l'initiative. Pour le jeune rassembleur de la 24e circonscription électorale, le développement ne peut se faire sans l'unité. Je suis content de vous, chers parents. Je ne peux prononcer un discours s'il y en a, sans saluer mes aînés qui sont venus m'accompagner, qui sont toujours à mes côtés, qui me guident. Le CA de Canaan 2, chez qui nous sommes en train de faire cette manifestation, je voudrais pouvoir le remercier aussi pour tout ce qu'il a fait en mettant à notre disposition l'arrondissement et en étant aussi membre du comité d'organisation. Merci pour l'accompagnement constant, chez CA. Le message que je suis en train de faire passer aujourd'hui, ce message est celui de l'unité et de la cohésion autour des fils et filles de Zobodomé. Nous avons besoin d'être unis. Et ce message, je ne cesserai de le passer partout où je passe, dans tous les arrondissements, car Zobodomé est une commune noble. Zobodomé est la terre promise. C'est un tournoi communal. Le seul objectif, c'est la cohésion et l'unité entre les filles et fils de la commune de Zobodomé. Chers parents, unissons-nous car nous avons besoin d'être unis. Seule l'unité nous permettra d'aller plus loin. Très satisfaits de cette belle initiative, les lauréats ont tour à tour formulé des prières à l'endroit du président Amos Langenfin et ont souhaité que de pareilles initiatives se pérennisent pour l'avenir et le bonheur des populations de Canaan 1 et 2. Mesdames et messieurs, merci à vous. Je ne m'attendais pas à me retrouver dans cette position. Je suis très content et je remercie notre frère, grand frère, Amos Langenfin. Il fera plus grand. Il fera de belles œuvres, encore et encore. Que Dieu lui rende au centuple. Tout le monde me verra maintenant dans le monde entier. Ce que le président Amos a fait mérite d'être salué, encouragé et soutenu. J'invite les autres cadres ici présents à lui emboîter le pas. Longue vie, prospérité et promotion au président Amos Langenfin. La prochaine étape sera la finale où les gagnants des 11 arrondissements se croiseront pour la phase communale. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.